Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, se soigner en écoutant son corps, c'est ce dont on va parler ensemble en trois points: préventif, curatif et le miracle pour bien finir. Mais avant, je vous invite à me rejoindre en fait ici dans la magnifique baie de San Martino do Porto au Portugal, où en fait la rivière ayant creusé la Sierra juste derrière moi ici, la longueur d'onde océanique est parfaitement respectée, ce qui fait qu'il y a la magnifique baie qui s'ouvre derrière moi en fait en parfait arc de cercle qui a été formé. C'est un endroit que je trouve vraiment magnifique et je trouve que c'est du coup l'occasion de faire une jolie vidéo. C'est parti, on y va. Se soigner en écoutant son corps, préventif, premier point. Avant de se soigner, anticipons. Concrètement, lorsque nous prenons une bonne hygiène de vie, un bon cadre de vie, eh bien on va avoir beaucoup moins à se soigner, dans la mesure où, en ayant anticipé en fait, on va être moins malade, on va être moins blessé. Concrètement, l'hygiène de vie, c'est quoi? La base de mon hygiène de vie, c'est ma méthode BMDS: boire, manger, dormir, sport. Et concrètement, en résultat, qu'est-ce que ça fait? Boire, buvez bien, vous ne serez jamais déshydraté, et lorsque vous êtes déshydraté, vous perdez vos facultés physiques et mentales. Buvez bien, vous garderez toujours à 110% vos capacités pour de meilleures performances. Mangez, mangez bien, lorsqu'on a une bonne nutrition quantitative et qualitative, ça nous permet d'être en meilleure santé, d'être moins malade. Et concrètement, un résultat concret évident, l'objet de cette vidéo étant écouter son corps. Vous mangez bien, qu'est-ce qui se passe? Vous chiez bien. Eh oui, si vous êtes constipé, si vous avez la chiasse, si vous avez des hémorroïdes, si vous avez des douleurs gastriques, etc., changez vos habitudes alimentaires. Mangez bien et vous allez voir, vous allez mieux chier, ça va être spectaculaire le résultat. BMD, le D de dormir. Eh oui, dormez 8 heures par nuit, faites autant de siestes qu'il vous faut pour être en forme. Lorsque vous dormez mal, imaginez vous passez 2 nuits blanches d'affilée, ou alors vous travaillez 18 heures par jour pendant 2 semaines sans vous arrêter. Vous allez voir dans quelles conditions psychologiques, nerveuses et lymphatiques vous allez être. Ça va être un massacre à la tronçonneuse, les amis. Dormez bien. Et enfin, sport. 80% des actifs en Occident travaillent dans le tertiaire. Pendant 7 ans, moi-même, j'étais banquier, j'ai travaillé dans le tertiaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un travail exclusivement intellectuel, sans dépenses physiques. Sans 2 ou 3 sorties sport par semaine, je deviens complètement malade, cinglé, je deviens nerveux, anxieux, moins bonne prise de décision. Faites du sport 2 à 3 fois par semaine, ça vous aidera à beaucoup mieux vivre. Ça, c'est la base physiologique: boire, manger, dormir, sport, d'une bonne hygiène de vie. Lorsque vous respectez ces 4 critères, déjà, vous allez être moins malade qu'un autre. Donc, vous vous serez écouté vous-même, votre corps vous le remerciera. Ensuite, écouter son corps pour se soigner, deux interdictions. Boire de l'alcool, j'entends cette fois-ci, et fumer. Eh oui! Écouter son corps, ça veut dire quoi? Rappelez-vous la première fois que vous avez fumé. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai fumé, c'était même sur un pétard, c'était même pas sur une cigarette. Et à la première latte, pouah, mes poumons ont brûlé, j'ai souffert, mon corps a eu un spasme d'expectoration, j'ai toussé, je me suis étouffé. Pourquoi? Parce que mon corps, lui, ne voulait pas de cette saloperie dans mes poumons. Et concrètement, en l'ayant écouté, en ayant écouté ce spasme en ne fumant pas, ça va beaucoup mieux. Deuxième chose, boire. Eh oui, rappelez-vous la première fois que vous avez bu de l'alcool, les amis. La première fois que j'ai bu de l'alcool, boah, c'est fort, c'est dégueulasse. Ben oui, parce qu'on n'est pas fait pour ingérer de l'alcool. Alors, on est ici en France, effectivement, c'est la culture. Buvez de l'alcool, priorisez si vous voulez continuer à consommer de l'alcool, le vin rouge au milieu du repas. C'est le meilleur et d'ailleurs, c'est un effet positif sur le palpitant ici. Mais tous les alcools forts notamment et autres, l'alcool pour l'alcool, c'est pas vraiment excessivement bon. Une bonne hygiène de vie, BNBS, interdiction de boire et de fumer. Et pour finir la prévention, le bon comportement. Le bon comportement, notamment au niveau de la blessure. Concrètement, on appelle les gens qui mettent le curseur de risque un peu trop élevé des casse-cou, qui se cassent le cou. Vous avez un comportement inadapté, vous allez chuter, vous allez tomber, vous allez vous blesser, ça va être des fractures osseuses, ça va être des entorses, ça va être des ligaments qui vont sauter. Concrètement, si je m'amusais à aller faire le singe là sur la falaise en face,
en courant, en sautant, en l'escaladant, sans harnais, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tomber et je vais me briser les os sur la roche. Donc, le bon comportement permet également de prévenir les blessures. Ça, on a fait le tour un petit peu de la prévention. Maintenant, le curatif. Le curatif, lorsqu'il est déjà trop tard ou presque trop tard, pour communiquer avec notre cerveau, qui est notre organe de centre de décision, notre corps n'a pas un petit talkie-walkie, n'a pas de smartphone pour dire « Allô cerveau, j'ai mal, attention ». Non, mais en l'écoutant, et vous allez voir, on va pouvoir l'écouter, notre corps, on peut quand même le comprendre facilement. Concrètement, en termes de fatigue, vous avez eu un effort physique au-delà de vos capacités musculaires, vous allez avoir les muscles extrêmement lourds, c'est le moment de vous arrêter, vous reposer pour vous régénérer la musculature. Au niveau des tendons, comment ça se passe? Signe précurseur d'une tendinite, qu'est-ce que c'est? Les petits chocs électriques à l'arrière, c'est typiquement à l'arrière du genou pour le genou, ou c'est peut-être d'autres tendons au niveau du bras, épaule, etc. Les chocs électriques à l'arrière des articulations égale tendon qui commence l'inflammation. Le tendon te dit stop, arrête, sinon c'est inflammation aiguë, tendinite. Et là, va voir ton médecin avec une tendinite, va voir ce qu'il te dit. 6 mois de repos total, j'ai aucune médication pour vous. Super. Premier picotement, premier choc électrique, arrêtez-vous et ça va vous permettre. Et c'est, là, on est déjà dans le curatif. On est déjà dans le curatif parce que choc électrique, c'est l'inflammation qui commence déjà. Et ça, ça va pour tout. Suite, alors bon, là, sur cette chaîne YouTube, on parle beaucoup de randonnée en ce moment, c'est vrai. En randonnée, exposition au soleil un petit peu trop forte, qu'est-ce que ça fait? Ça fait insolation. Insolation, nausée, vomissement, fièvre, délire fiévreux, état de fébrilité. Qu'est-ce que votre corps dit? Stop. Et le seul moyen, le meilleur médicament, c'est le repos. Le repos, exactement. D'ailleurs, alors, je critique pas la médecine moderne, mais j'ai consulté 2 médecins dernièrement pour 2 petites pathologies. Le premier est un jeune qui vient de sortir de l'université. En moyenne, sur une médication, lorsque je viens pour le voir pour une maladie, je repars entre 6 et 7 médicaments différents. Un deuxième médecin que je suis allé voir, même style de pathologie, c'était une angine. Je lui dis, voilà docteur, ça fait une semaine que j'attends le rendez-vous pour vous voir, je suis très content de vous voir. Ah bah qu'est-ce que vous avez fait alors pendant une semaine? Bah c'est pas compliqué, inhalation et gargarisme, eau chaude, miel, thym et citron. Il dit, bah voilà une excellente médecine. Et lorsque je repars de son bureau à ce vieux médecin un petit peu à l'ancienne, je repars entre 2 et 3 médicaments. Alors, les médicaments c'est très bien, c'est très bien. En vous soignant avec des médicaments, vous gagnez peut-être du temps, mais je ne suis pas sûr, parce que le médicament, c'est juste un moyen de lutter contre le symptôme et pas contre le mal. Par contre, vous subventionnez effectivement l'industrie pharmaceutique, vous subventionnez aussi le trou de la sécu, qui est un endettement pas possible, et donc les cotisations sociales, vous augmentez le coût du travail en France. Le repos, lui, c'est un médicament gratuit, le meilleur que je connaisse. Une insolation où on monte en délire fiévreux, en nausée, en nuit blanche, en 24 heures de repos total, je vous la soigne. En écoutant mon corps. Prévention, le curatif, une fois qu'il est déjà presque trop tard, et enfin, un dernier petit point pour finir sur une touche positive, ensemble les amis, le miracle. Ouais, le miracle. 3 miracles concrètement. On remonte il y a 2000 ans, l'histoire d'un mec qui s'appelle Jésus, un jeune juif guérisseur en fait, il va dans un village et puis il y a un paralytique. Un mec assis sur un brancard, ça fait 10 ans qu'il ne bouge plus, la famille dit « Je te jure, Jésus, il ne bouge plus !» Jésus, il arrive, il le regarde dans les yeux, il lui dit « Lève-toi et marche ». Le paralytique se lève, prend son brancard et rentre à la maison tout seul. Lourdes, Lourdes, ça fait 1500 ans qu'il y a un pèlerinage à Lourdes. L'Église catholique tient la liste des miracles médicalement constatés. Je crois qu'il y a entre 350 et 400 miracles médicalement constatés à Lourdes. Plus récemment encore, Anthony Robbins. Je ne sais pas si vous connaissez ce type. Anthony Robbins, c'est la référence du développement personnel, du coach en motivation, anglophone. Anthony Robbins, il est encore vivant, il est américain. Anthony Robbins, à un moment, il fait un examen de santé qui diagnostique en fait un cancer. Alors pourquoi il fait un examen de santé? Il était jeune, je pense qu'il voulait acheter un bâtiment immobilier à 15 millions de dollars. Il a été voir son banquier lui a dit « Ouais, ok, je te prête 15 millions, mais on va faire un petit check quand même. » Il va voir le médecin, batterie test, le médecin le reçoit. Ben voilà, malheureusement, monsieur Robbins, après analyse de vos études, vous avez un cancer. De mémoire, je crois que c'est une tumeur au cerveau qui commençait à se développer. Anthony Robbins le regarde, son docteur lui dit « Vous vous trompez, docteur,
je n'ai pas de cancer. Il part pendant 3 mois, il fait de la programmation neurolinguistique, il fait de la projection mentale, il utilise toutes ces techniques psychologiques de maîtrise de soi. 3 mois plus tard, il va voir son médecin et dit maintenant on refait les tests. Il refait les tests, il n'y a plus rien. Ça veut dire qu'un homme suffisamment auto-hypnotisé, suffisamment auto-convaincu qu'il n'est pas malade, n'est pas malade. Le paralytique de Jésus, c'était Jésus, le mec de ouf, quand tu le croises dans la rue, t'es pas malade. Il était convaincu que Jésus allait le soigner, il s'est soigné lui-même, à Lourdes. Les gens, pendant 50 ans, pendant 60 ans, ils prient Jésus tous les jours, ils vont à la messe tous les dimanches, ils sont convaincus qu'en allant à Lourdes, ils sont soignés, et ils sont soignés. Anthony Robbins, avec des techniques de maîtrise psychologique et de programmation neurolinguistique, il se soigne lui-même. Ça, c'était le miracle, les miracles, pour finir sur une touche particulièrement positive, les amis. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et écoutons notre corps pour nous soigner. Notre vie sera beaucoup plus belle. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.